Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo un petit peu à l'arrache. Voilà, on est samedi, dimanche je crois, ou samedi je sais plus, je crois qu'on est dimanche. Voilà, du coup je vous fais un petit peu ça vite fait et bien fait. Concernant les vidéos d'Halloween, il faut savoir que je vais en faire. Voilà, je suis pas une chaîne anti-Halloween. J'adore faire des vidéos maquillage, effets spéciaux sur Halloween. Du coup voilà. Je voulais juste vous dire ce que j'achetais pour faire, comment j'allais faire et comment je tourne mes vidéos et voilà, tout simplement. Alors, il faut savoir que j'achète ma plupart de mon matériel sur Amazon. J'achète par exemple mes fards gras. Du latex, des pinceaux, je les achète pas sur Amazon. J'achète quoi d'autre sur Amazon? J'achète les décors parce que ça va pas rester mon décor infiniment, surtout pour Halloween. Ça fait pas trop Halloween. Je pense pour Halloween accrocher un drap et mettre du faux sang. Le faux sang, je l'achète pas, je le fabrique normalement. Mais cette année, je crois que je vais l'acheter sur Jiffy ou La Foire-Fouille. Enfin, dans les magasins La Foire-Fouille ou Jiffy, il y a souvent des décos et tout, tout. Du coup, je vais sûrement faire ça cette année et pas le fabriquer, pardon. Du coup, voilà, concernant les vidéos. Il faut savoir qu'au début, vous allez avoir un court-métrage. Je reviens tout de suite. Désolée, c'était mon neveu. Alors, concernant les vidéos que je vais sortir pour Halloween, il faut savoir tout d'abord que je vais faire une partie court-métrage, une histoire, comment ça s'est passé pour ce maquillage, par exemple. J'ai eu une idée de faire un maquillage où j'avais des bouts de verre ici. C'est en fait, par exemple, il y a mon frère qui s'habille en noir avec une cagoule. Pourquoi qu'on le voie, parce que je sais pas s'il voudra qu'on le voie. Qui me court, qui a un couteau dans la poche. Et moi, je fais comme si de rien n'était, comme si quelqu'un m'appelait. Et du coup, je me retourne et je commence à marcher vite. Et il comprend que j'ai vu son couteau. Et du coup, il commence à me courir après. Du coup, je cours et je me trébuche sur un bout de verre. Et du coup, j'ai soit cette partie. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ça tout de suite maintenant. Je ne sais pas. Du coup, voilà. Et puis après, de suite après. On fait pause et puis après je vous reprends en tuto. Enfin, j'arrête la vidéo que j'étais en train de faire, le soi-disant court-métrage. Et puis je passe tout de suite au tuto, comment faire et tout, tout. Là, pour ce cas-là, on aura besoin de latex et de boue, soit de vrai verre, mais moi je vous le conseille pas, surtout si vous êtes petit. D'équerre ou de règles cassées, tout simplement. Ça fait très très réaliste, suivant la règle ou l'équerre que vous prenez. Voilà, moi je vais le faire comme ça. Après, si ça vous plaît pas, désolé. Mais voilà, voilà, je vais faire comme ça. Et puis après, après le tuto, je vais vous laisser. Je vais vous dire la conclusion et puis je vais vous laisser avec le petit bout, la fin, qu'est-ce qui se passe. Genre par exemple, je sais pas, mon frère, je me retourne et vous voyez mon côté où il y a les bouts de verre et puis je me retourne et puis là je vois mon grand frère avec le couteau qui fait comme ça.
Et puis après, c'est la fin, par exemple. Je sais pas, il y a plein de fins possibles. Soit il me touche pas, soit je sais pas, moi, je viens vers la caméra avec le couteau comme ça, et puis je me décagoule, et puis en fait, c'est moi, je sais pas, des trucs comme ça. Donc, tout simplement, voilà comment je vais procéder pour mes prochaines vidéos. J'ai plein d'idées en tête, mais souvent il me faut des gens. Voilà, faut que j'ai la permission soit des parents, soit des gens, tout simplement, s'ils sont adultes. C'est très compliqué à trouver quelqu'un qui voudra. Et si il veut ses parents, est-ce qu'ils voudront? Ma mère est tout à fait d'accord que je fasse ça. Du coup, voilà, je vais vous faire ça. Et puis, voilà. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser sur les lieux des tournages. Surtout quand je vais le faire avec mes amis ou ma famille, ça va être très rigolo. De toute façon, je vous prendrai, voilà, ça se dit, un vlog avec moi pour vous montrer les backstage. De comment je fais, où je fais. Voilà, par exemple, j'ai eu une idée tout seul où je passe derrière un arbre. Faudra juste que quelqu'un me filme. Je passe derrière un arbre normal. Je passe derrière un arbre comme ça et je ressors un Chucky ou Joker, je sais pas encore lequel faire, mais je pense vous faire plusieurs. Alors concernant Halloween, ça sera pas. Je reviens, c'est encore mon neveu. Désolée, je vous disais concernant quand les vidéos vont sortir. Alors, il faut savoir, pardon, que comme le matériel, je l'attends d'Amazon, des fois ça peut durer plus d'une semaine, voire 3-4 jours. Du coup, je commencerai pas dès octobre. Là, on est le 1er octobre. Je commencerai pas de suite, mais je commencerai sûrement dans la deuxième semaine du mois suivant quand je commande et suivant ce que j'ai. Du coup, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, les vidéos sortiront le mercredi après-midi de. Ça peut dépendre des fois, je vais sûrement les sortir à partir de 16h jusqu'à 18h. Ça dépend ce que ça me met en montage. Voilà, j'ai filmé d'autres avant ceux d'Halloween. Du coup, je pense ceux que j'ai filmés avant, vous les mettre après la période d'Halloween parce que sinon ça va prendre trop de temps pour vous les mettre. Et quand on sera à la semaine du 30-31 que j'aurai reçu tout mon matériel, là je vous ferai une vidéo par semaine. Comme je sais pas si vous regardez Amy à plus d'un million d'abonnés. Elle fait la semaine de l'horreur. C'est-à-dire, elle fait plein de maquillage pendant la semaine. Où elle fait sentir le latex à ses invités et tout et tout. Je regarde, je me suis inspirée d'elle un petit peu pour certains maquillages comme Chucky, Sourire de l'ange, côté truc. Mais après, pour les courts-métrages, j'ai eu idée. C'est pas quelqu'un qui m'a aidé à les faire ou quoi. C'est moi, c'est. Voilà, c'est pas pour me vanter que je dis ouais c'est moi qui ai tout fait et tout. Mais c'est que voilà, faut pas me dire dans les commentaires ah ouais mais c'est trop facile de faire des vidéos comme ça de court-métrage. T'as juste à prendre ta caméra et puis te filmer tout seul en train de tomber ou quoi. Et puis te faire le maquillage après. Non. Ça prend extrêmement de temps, surtout pour le montage. Faut filmer, faut le monter. Et faut avoir les bons matériels, faut avoir des trépieds. Ce qu'on n'a pas tout le temps, quoi. De suite. Maintenant, quoi. Du coup, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu pour ce petit guide d'Halloween.
Sinon, je vous fais plein de gros bisous. Tu peux mettre plein de likes, tu peux partager cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner juste en bas à ma chaîne, c'est totalement gratuit. N'hésite pas à activer la petite cloche juste à côté pour recevoir des notifications quand je sortirai des nouvelles vidéos. Sinon, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!